Alors, bonjour à tous, c'est Flustu, FLOSTUU, et aujourd'hui je vous propose un gameplay aux barrettes pour ma deuxième vidéo. Alors, je vais éviter la parlotte comme sur la première, hein. Sinon, vous, comment vous allez? Bah, moi je vais bien, très bien. J'attendais une réponse, mais je suis un peu con parce que je parle tout seul. Non, je vais très bien. Ça me fait plaisir de faire des vidéos comme ça. Alors là, on est aux barrettes sur Terminal. Ah, Terminal, nostalgie, je vois des étoiles qui brillent dans vos yeux. Non, ça me fait très plaisir qu'ils aient mis Terminal pour jouer MW3. J'ai du mal à mettre mes mots pour faire une phrase. Non, ça me fait très plaisir qu'ils aient mis Terminal sur MW3. Surtout parce que c'est une Terminal marque folle, de loin. Et ça rehausse un peu le niveau du MW3, au niveau des maps en tout cas, parce que franchement faut entraîner, elles sont pas vraiment terribles les maps de MW3, elles sont même très bof. Il y a 2-3 maps que j'aime bien comme Village, Mission, Baccarat, mais ça s'arrête là. Dire MW2, même Black Ops, même si c'est pas les mêmes producteurs, ils faisaient toujours des bonnes maps. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. C'est pas non plus dégueulasse, hein. C'est pas l'esprit des maps de MW2. Enfin, j'arrête à parler pour le débat sur les cartes de Modern Warfare. Et on va s'attaquer à un joli, bah, joli petit gameplay aux barrettes. Bah, vous verrez. Je me suis pas trop mal énervé, je pense. Là. J'ai géré, c'était ma première partie sur Terminal. Ah putain, dès que j'ai vu que j'avais Terminal en téléchargeable, je me suis dit bah barrette. Ah bah ça, c'est de la nostalgie. Mais passage clé mort, les écoutes, il y en a qui ne perdent pas leur réflexe. Non, j'ai même en jouant sur Terminal comme ça, j'ai découvert de nouveaux spots. Ça m'a bien fait marrer. Le spot, le spot d'avion, ça, c'est pas mal connu. Ça, je joue un petit coup, j'ai peur qu'il me cut celui-là, je pense. Là, je vais chercher le CD avec eux. Enfin, je sais pas ce qu'il tentait, s'il tentait la 630, il l'a failli. Je joue spoil, allez, je spoil, je suis défi. Un capteur laser, pourquoi? Merde, ça va être un capteur laser, j'aime bien ça. Ah, bref, je trouve ça un peu mieux. Ça bof, non, c'est un équipement, y'a pire. C'est pas mon équipement. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Je vais passer ma deuxième vidéo. Vous pouvez peut-être le remarquer, j'ai changé de logiciel d'enregistrement 2. Waouh, putain, le mot. Non, j'ai changé de logiciel d'enregistrement 2. Bah, ma voix est mieux, je pense. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois, je pense. Cut, et puis voix spawn, et puis migration de l'autre. Ah putain, les migrations de l'autre. On joue, bah, moi je joue sur PS3, personnellement sur Xbox, quand je regarde des vidéos, j'en vois pas beaucoup. J'aimerais que vous m'indiquiez un peu. Non, j'ai une conne merde, ça va pas le cacher. Mais voilà. Bah, passage fail sur un AFK. Bah, ça m'a fait très plaisir qu'ils nous aient mis Terminal, même si je l'ai déjà dit. Je sais pas quoi vous dire en fait d'autre. Je sais pas, vous, comment ça vous fait? Ouais, moi je suis content qu'ils aient mis des maps gratuites. Au moins Terminal, les maps en confrontation, c'est pas le mode de jeu où je joue plus, mais on va dire c'est généreux de leur part. Ouais, ça, j'arrivais pas à passer, je comprenais pas pourquoi il y avait une barrière. Je me suis dit que j'étais un autiste, franchement. J'arrivais pas à passer, putain, je pense. Ah merde, il y a une barrière. Non, non, je suis pas mal content qu'ils aient mis les meubles gratuits. Ça. Bah, ils ont. Je pense qu'ils pourraient en mettre un peu plus. Hein. Baisser le prix des cartes d'origine. Parce qu'elle coûte vraiment très très cher. Je veux dire 4 cartes c'est 15 euros, ça fait
Ça fait bobo aux fesses. Et moi, j'ai pas les moyens de me les payer. Je sais. 15 euros, je veux dire, si tu charges de 4 packs de map, ça fait 60 euros. Là, je crois que c'est 4 packs. Ouais, sur Black Ops, il y a 4 packs. Ça te fait 60 euros. C'est cher, je trouve. Trop cher pour ce que c'est. Encore, ils rajouteraient des armes, des modes de jeu. Ça à 15 euros, j'aimerais. Je peux payer, mais pour ça, pour 4 maps, non. Non, je veux bien, c'est pas possible, c'est trop cher. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi. S'il y en a pas beaucoup qui pensent comme moi, bah vous êtes des riches. Hein. Je suis un pauvre vieux de la favela, jeune, je sais pas. Non. Bah voilà, c'est fini. J'avais dit que c'était fini le débat des maps. Non. Bah là, je suis en bonne petite série. Bah, je commence une bonne petite série, je crois, je me souviens plus. Ou c'est après. On verra bien. En tout cas, je suis pas trop mal débrouillé pour le moment. Et moi, en domination, c'est comme ça, je joue beaucoup des coups d'objectifs. Je suis un cheval d'objectifs. Ça, j'ai eu beaucoup de chance avec les vicos. Je me suis blessé, je me suis dit, putain, il va me tuer, il va me tuer. Mais non, il va me tuer. Je suis un gros joueur d'objectifs. Mais sur un nouveau jeu, c'était comme ça. Tiens, pour ça, j'ai un nouveau jeu, c'est un premier Call of Duty. Donc, voilà. D'ailleurs, c'était mon premier FPS tout court. J'ai beaucoup de choses. Et en fait, je vous explique, j'ai acheté une PS3, c'était que pour un seul jeu, c'était pour Red Dead Redemption. Je vous ferai des let's play dessus. Et franchement, c'est un jeu que je kiffe, j'adore pas le. C'est trop bien. C'est trop bien. Ça, je le colis qui est celui de toi. Ça, c'est terminal, c'est un peu le mid colis. Comme Underpass, l'autoroute sur Underpass. Tiens, le nombre de colis que j'ai pu rater sur. Putain, je crois que mon pire colis c'était un AC-130 sur Underpass. Et je. Putain, j'avais oublié complètement l'autoroute. Pourtant, j'en avais niqué, je sais pas, une bonne trentaine de colis sur cette autoroute. Et là, je me fais niquer. Putain, petit hardscope, j'avais du mal à juste. Oui, c'était ma. Là, je suis en bonne série. Je vous cache pas, je vous spoil encore. Je vais obtenir mes bonus spécialistes. Là, ce spot au couloir. Putain, qu'est-ce que j'ai pu en aligner sur un W2 ici. Il venait s'aligner au bout de mon canon. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Merci à l'homme qui m'a raté. Ça va lui coûter cher. Bah, ça va coûter cher à ses alliés en tout cas. Mais. Qu'est-ce que j'ai encore. Ah là, assez, ils sont tous venus se jeter assez, littéralement, je pense. Ah, beaucoup sont venus se jeter assez. D'ailleurs, je vais aller le reprendre. Oui, je vous spoil encore. Pourquoi vous regardez cette vidéo, je ne sais pas. Mais je vous spoil. C'est vrai, je suis un connard. Mais je voyais que c'est bien de ça. Mais bon, j'ai déjà mis. Ah non, j'ai pas pu reprendre ces vues. Je crois que j'étais trop écarté de la zone. Et là, je me fais tuer parce que le mec qui fait ninja. Mais voilà. Donc, bah, la partie va bientôt se terminer. Il me semble qu'on va dominer 3 positions à la fin. Je ne sais pas. Bah, je vous spoil des fausses, des bonnes informations. Là, par contre, MWS qui me c'est une map de camp. Ça, on peut pas le cacher. C'est ici où je suis tout de suite là. Bah, ça. Sur toutes les parties que j'ai fait sur une DVD, je trouve forcément un ou deux joueurs qui vont là-bas. Généralement, j'arrive à péter les binômes pour les descendre. Mais après, bah, les binômes ils sont cassés, ils montent comme ils veulent, après, ils posent leur insertion. Ça, ça m'énerve. C'est pas du jeu. Camper encore. Camper, je comprendrais qu'on campe avec un Dragunov ou des trucs comme ça, et encore ça m'énerve, mais bon, mais qu'on campe avec des snipers ou même des ACR ou des MPC, ça m'énerve. Des snipers qui tuent une balle, le Dragunov n'est pas un sniper qui tue une balle, à part en hardcore. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Là, je cherchais le mec, il était sur le radar, et là, il bouge, il tire. Merde, chier.
Heureusement qu'il se retourne pas. Ça, j'étais pas trop mal tombé. Là, il y avait pas trop de niveau. Là, j'ai eu beaucoup de mal à prendre la position. J'étais coincé, le mec il me poussait. Oui, j'ai sauté. Et là, bah, ça va se terminer sur la fin de la partie bientôt. Dans une trentaine de secondes. Alors, bah, je cours. Mais non. Je spoil encore. Je suis en train de courir, je spoil tout seul. J'aurais pu le tuer. Honnêtement, avec la réponse de fou, j'aurais pu le tuer. Mais malheureusement, ça se terminait ainsi. Et là, sur une magnifique canne de marqueur. Et je vous dis à la prochaine, à bientôt.